Salut à tous, c'est Tangaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débloquer gratuitement un nouveau véhicule, le Makino Demiurge. Et donc du coup pour ça, il faut se rendre sur la carte à ce niveau-là exactement et vous allez avoir donc en fait sur le repère du TP, la ferme de protéines. Et donc du coup, il va falloir y aller. C'est une zone, il va falloir se rendre dans l'église. Le truc à récupérer, hein, notamment du matériel légendaire normalement qui s'y trouve dans cette armoire. Et après, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant. Je précise que je joue sans le DLC, donc voilà. Donc il va falloir rentrer là-dedans. Et du coup, vous avez une borne d'arcade. Le détail qui tue, c'est qu'il faut rentrer absolument dans l'ordinateur à 4 heures pile. Voilà, et donc du coup on n'est pas bon, et donc du coup, il faut attendre, hop, on va attendre, tac, alors 4h07, il va falloir attendre un petit peu. On va aller regarder un peu ce qui s'y trouve aux alentours, il y a du matos légendaire, regardez, hop, voilà, en attendant les 4h, vous avez des objets à looter, tiens. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Une note. Tiens, bah voilà, une note d'éclat. On va la lire. Hop. Oh, t'as des ports bien. On peut lui parler. Ça roule. Ouais, ok, d'accord, ça roule. ok. Du coup, il est 3h17. On est perdu en plein milieu de cette zone-là, de cette ferme qui ne sert absolument à rien. On va se faire une petite partie d'Arasaka 3D. En attendant, on va se faire ce petit jeu, voilà. C'est quoi ça? Je sais pas où ça sert. Ok. Ah, on a un colon. Ok. Alors. Ok. Je sais pas, on file. Hop, on va passer par là, voilà. Game over. Ok, bon, allez, on quitte ça. C'est parti, il est 4h, on rentre dans l'ordinateur, on relit tous les messages. Tac, hop. On relit tous les fichiers, hop. Tac. Allez, donc maintenant, à partir de ce moment-là, il va falloir se dépêcher un petit peu. Voilà. Se dépêcher, retrouver la route, bien évidemment. À partir de maintenant, il va falloir aller, tout là-bas, où j'ai marqué normalement un point. Voilà. Hein ? Ah, non, c'est pas vrai. Le truc, c'est légèrement planté. Normalement, il va falloir aller ici. Hop, alors il a failli m'écraser, hop, on y va. Allez, c'est parti. Allez. Je vois pas, il est où? Il est là! Il est là! Je l'ai trouvé! Voilà, le fameux matelas. Et là, à partir de ce moment-là, on attend, mais je crois qu'il est beaucoup trop tard. Bon, vous savez quoi, ce qu'on va faire? Bon, on va attendre.
à 3h41. Et on va attendre. On va attendre, on va attendre. Jusqu'au moment où il va se passer quelque chose. Et ça y est, voilà, on est arrivé, on a la cutscene, donc je vous confirme que cela fonctionne. Ça a l'air d'être un peu aléatoire, parce qu'en fait j'ai fait tourner deux fois la boucle, c'est un peu bizarre comme délire, et on a enfin cette cutscene. Je vous avoue que de mon côté, ça n'a pas été une mince affaire, je m'y suis surpris. Ça fait 2 heures que j'essaie de faire fonctionner ce secret en fait. Et en fait, eh bien, ça fonctionne. Alors ça fait toujours plaisir de voir que eh bien, voilà, c'est, quand on arrive à le refaire plusieurs fois, hein, parce que c'est pas évident. Et voilà. Et donc du coup, eh bien, nous avons récupéré le... Manico, hop, et voilà, tac, et nous avons ce fameux Monster Truck grâce et bien à ce petit secret qui est avec lequel il faut énormément de patience. Hein. Je vous dis, il faut se connecter donc à 4h exactement là où je vous ai dit. Là, ici, à la ferme, là, tac, la ferme de protéines. Vous allez dans l'église, qui est ici, je crois. Ouais, ça doit être ça. Enfin, dans cette zone-là, vous voyez, de toute façon, il n'y a qu'une église, vous ne pourrez pas la louper. Vous vous connectez à 4h du matin sur cet ordinateur. Et après, vous faites le voyage en véhicule. Alors, il y en a... Moi, d'après ce que j'en ai vu, il y en a qui l'ont fait en mode TP... Apparemment ça fonctionne, donc c'est pour ça que je vous dis, ça a l'air d'être très aléatoire. Moi je l'ai fait en véhicule, et vous vous pointez exactement au niveau de ce matelas. Donc au niveau du matelas, eh bien, c'est pas forcément toujours évident de le trouver. On va redescendre, je vais vous faire voir en plein jour, vous pouvez pas le louper, vous vous mettez au niveau du panneau, vous avancez un petit peu, et normalement, on devrait pouvoir le retrouver. Normalement, il est là, voilà, vous pouvez pas le louper, il est là, exactement, là, ici, regardez, hop, sur la carte, tac, exactement, ici, voilà, vous prenez la case et vous vous mettez sur le premier trait en bas à gauche de cette case-là. Et normalement, vous ne pouvez pas le louper. En plein jour, il est très facile de le repérer. À 4h du matin, c'est plus compliqué. Il fait plus sombre. Et voilà un peu le tour de ce véhicule. Le Manico Demiurge. Hop. Et puis voilà. Et puis après, une fois que vous l'avez en bonne position, et ben vous pouvez vous faire plaisir. Et c'est parti, vous pouvez rouler partout. Et rouler sur tout ce qui bouge. Ah, voilà. Bon, bah par contre là c'est Logitech, donc voilà. Voilà, et après vous pouvez faire toutes les amendes que vous voulez avec ce véhicule. C'est adapté pour cette zone là. Hop, on va s'arrêter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. C'était Tanguy. Prenez soin de vous. Salut !